T'es sûr que tu veux pas qu'on reste à la maison ce soir? Non, j'ai besoin de sortir. Sinon, je vais péter un câble. J'en ai marre d'être enfermée ici. Allez. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Ouais. Ouais, Max, ça va? Non, viens avec ça. Non, mec, c'est pour lui qu'on est. Non. C'est juste que... Alors, voilà, il faut plus de temps pour se préparer. Et dis-moi, c'est le bar où on allait, où on était la dernière fois, ouais. D'accord. Y'a du monde? Ah, c'est cool. Ah, ça va être bien. D'accord. Et ça là, c'est pas trop... Par rapport à elle, j'ai pas envie qu'on soit tous les uns sur les autres. Voilà, parce que après, voilà, ça va être galère et. Et elle aime pas ça. Et... Écoute, on termine et puis on arrive. Bah, en voiture. Ouais, t'inquiète. Et à toutes. Ciao. J'ai eu Max au téléphone. Ça avait l'air super bruyant. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde et que du coup, bah... Que du coup, je vais galérer avec mon fauteuil, c'est ça? Wow. T'es sublime. Allez, go. Ça va aller? Arrête. Je vais pas éviter les voitures toute ma vie, si. Va bien falloir que je remonte un jour dedans. Puis on va pas y aller à pied, de toute façon. À pied, à roue. Moi qui suis en fauteuil, c'est lui qui déprime. C'est le monde à l'envers. Je l'en veux tellement. Mais tu sais, moi aussi j'avais bu. Hein. J'étais torchée. Complètement torchée. Je me souviens de rien. Si le sourire du pompier. Il me tenait la main. Il était hyper canon. Bon allez, à boire un verre, ça va te détendre. Non, t'es gentil, pas ce soir. Puis j'ai déjà assez fait de dégâts comme ça, non ?